La nouvelle Sierra 1 fait couler beaucoup d'encre concernant son style. Effectivement, le look général de l'auto se veut plus moderne, mais ses énormes blocs optiques avant séduisent plus ou moins. Selon vos besoins, la petite BM est disponible en 2 ou 5 portes. La plupart des ventes devraient s'orienter sur les diesels, mais les motorisations essence n'ont pas dit leur dernier mot. La 114i se dogue d'un bloc essence. Il s'agit en fait d'un Anitis Turbo que l'on retrouve également sur les modèles 116 et 118i. Cependant, notre version développe seulement 102 chevaux. Globalement, le bloc de la 114i n'est pas très convaincant. Pas assez coupleux et relativement anémique, ce moteur manque de puissance lors des relances. Il vous faudra donc obligatoirement jouer de la boîte au rapport très très long. Pour la partie conso, comptez une moyenne en cycle mix de 5,7 litres au 100 km. Fort heureusement, la Sierra 1 dispose d'un bon châssis, et donc d'un très bon comportement routier. De plus, la BM ne fait pas l'impasse sur l'aspect confort. À bord, les aficionados de la marque ne seront pas dépaysés. Le conducteur bénéficie d'une position de conduite adéquate. Volant, assise et dossier se règlent dans tous les sens. La planche de bord se caractérise par un imposant écran central. La qualité des plastiques est satisfaisante, mais on y trouve encore quelques plastiques durs, au fur et à mesure que notre regard descend. La finition urbaine offre une climatisation automatique bizone, un GPS couleur, un régulateur de vitesse, ou encore l'allumage des feux et des essuie-glaces automatiques. Naturellement, notre version 3 portes ne facilite pas l'accès aux places arrière. Une fois installés, les passagers profiteront d'une habitabilité très correcte. En revanche, la place du milieu n'est pas un cadeau. Tunnel de transmission prend de la place. Autre ombre au tableau, il est impossible d'ouvrir les vitres arrière. Avec 360 décimètres cubes, le coffre bénéficie d'un volume de chargement identique à sa grande rivale, l'Audi A3. Les dossiers de banquette arrière sont fractionnables en mode 2/3/1/3 et rabattables. Notre version 3 portes, dotée de la finition urbaine, est affichée à 22 850 euros.